m'appelle Martin Roldan, je suis au marketing pour Phazon et puis on fait des écouteurs totalement sans fil. On a développé des écouteurs uniques, totalement sans fil, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun fil qui relie quoi que ce soit aux deux écouteurs. C'est fait pour les sportifs, ils sont garantis de jamais tomber des oreilles, ils sont à l'épreuve de l'eau, à l'épreuve des chocs, ils sont idéaux pour n'importe quelle activité physique. L'idée est née il y a environ 2 ans quand Christian, qui est président de la compagnie, s'entraînait. Il s'est accroché dans ses écouteurs. Il a vu que c'est un problème généralisé. Il a essayé de s'acheter des écouteurs totalement sans fil. Il n'en a pas trouvé. Puis il s'est dit, ben voilà, si ça n'existe pas, on le fait. Christian a développé l'idée. Moi, j'ai aidé autant que je pouvais puisque j'étais entrepreneur, j'avais mes propres projets. Et puis après ça, Christian a monté une équipe. On est présentement 6, puis on a parti une campagne de sociofinancement il y a presque 1 an. Présentement, Phazon est vendu sur notre site web et puis on va commencer à le vendre via des détaillants, via des distributeurs à plusieurs endroits dans le monde. L'innovation vient de 2 côtés. D'une part, au niveau du design. En analysant les oreilles, on a développé un design qui fait que les écouteurs viennent s'accoter à tous les petits endroits qu'on a dans l'oreille. Ou d'une manière confortable, on s'assure qu'ils ne tombent jamais. D'autre part, au niveau de l'électronique, il a fallu qu'on repense toutes les composantes de la manière dont elles s'agencent ensemble pour minimiser l'espace entre elles, maximiser la productivité du son dans un si petit espace. Au niveau de nos visées pour la croissance, dès l'an prochain, on est en voie pour des ventes de plus de 10 millions. Puis ça, c'est par des partenariats qu'on est en train de mettre en place avec des détaillants. Depuis qu'on a lancé la campagne de sociofinancement l'an passé, on a eu beaucoup d'aide d'organismes autour de nous. Entre autres, la Fondation Montréal, en plus de la formation, de l'aide pour les pitchs, ils nous ont mis en lien avec des partenaires de la Ville de Montréal, c'est-à-dire des entreprises d'ici qui nous ont aidés pour le digital, pour le marketing, ce qui me touche directement. Ils nous permettent d'avoir ce point de vue-là externe sans avoir à débourser, ce qui est énorme. Au cours des 2 prochaines années, il y a des choses super excitantes qui s'en viennent pour Phazon. On est en train de penser à 2 nouveaux produits qui vont aller chercher des données sur le corps à travers l'oreille, que ce soit la respiration, le rythme cardiaque, plein de données biométriques comme ça qui permettent de mieux comprendre le corps en mouvement. Et on fait aussi un produit de communication intra-équipe sportive. Notre but, c'est de rendre les gens qui sont actifs le plus libre possible. Puis par les produits, en étant à plusieurs points de vente, c'est ça qu'on veut atteindre.